Salut les loulous, et nous voilà repartis pour du Dust and Elysian Tale. Et donc voilà, donc vous voyez que la sauvegarde automatique est un petit peu plus éloignée que la sauvegarde normale, c'est parce que j'avais fait une vidéo et qu'elle a planté. Donc de pas beaucoup, hein. Enfin là vous avez eu l'impression que j'ai joué qu'une minute, mais en fait elle a planté au bout de 20 minutes de jeu. C'est juste que j'avais pas recroisé un truc de sauvegarde. Donc on est reparti. Donc là je reprends au moment où j'avais sauvegardé, donc vraiment à la fin de la prise vidéo précédente. Et voilà, pas de problème. Un petit champignon bleu, c'est le truc qui guérit contre poison, ça peut servir. Là on va pas se faire chier. Voilà. Voilà. J'oublie rien si j'oublie des pièces. J'ai plein d'or, mais enfin pour ce que ça me sert. On va se soigner un petit coup. Moi je préfère l'autre en fait. Je sais plus si j'ai monté à fond fidget ou pas. Faudra que je regarde ça. Wait. Let's follow him. En même temps j'ai pas grand chose de mieux à faire tout de suite. Nouveau sponsor. En même temps je sais que ça sert à rien d'aller par là puisque je sais que du coup, c'est le même côté que l'autre chemin. Je me fais briser mes chaînes mais comme un débutant. Comme une merde hein. Hop. Je sais que ça sert à rien mais bon, voilà parce qu'il y en a un autre là. Je pense que je vais regretter que le truc ait explosé. Mais... voilà. Bon, si je me fais empoisonner... j'aurai un contre-poison. Hein. Un point de sauvegarde. Alors attendez, parce que là vous allez... je vais enlever l'information d'Avast là. Voilà, j'avais le truc d'information d'Avast pour me dire que mon antivirus n'est pas à jour. J'ai oublié de lancer le chrono. Oh, j'aime bien le nom de cet anneau en tout cas. Anneau principal de fortune, ça pronostique du lourd, ça on va tout de suite regarder d'ailleurs. J'ai envie d'éternuer, ça va déconner à un moment. Je prépare un mouchoir du coup parce que... je perds ma manette, c'est la fête. Où elle est? D'ailleurs vous pouvez voir qu'il fait nuit, puisque le volet est ouvert derrière mais qu'il fait nuit. Et si vous regardez bien, non, c'est de l'autre côté. Alors, on peut même espionner chez mon voisin. Hop. Ici, voilà, si vous avez un bon zoom, vous pourrez espionner ce que fait mon voisin. Ça éteint ma manette. Voilà. Non, c'est l'autre. J'ai pas fait un anneau. Un anneau du mineur, 10 d'attaque, lâché en x1-2, plus 10 sans chance, ça me diminue ma défense, mais... plus 1 de régène, plus 20 d'attaque, lâché en x1-5, 8 ans, c'est génial ça!
Et l'autre, elle en a pas forcément. Là, il me faut un comme ça que je vais prendre tout de suite. Et là, il me faut 4... Je ne sais pas quoi. Je suis en train de me dire que j'ai dépensé 400, mais qu'aussi bien, ça, je le vendrais pas ce prix-là. Parce que là, le truc m'a coûté 650. Donc si je le vends pas ce prix-là, j'ai fait de la merde. Elle n'a pas les matériaux qu'il me faut. C'est quand même fort pratique de pouvoir couper le micro. Ah putain. Bon. Falmoni. Ah bah c'est le même. Ah ouais, si, il vaut 1000 le fourreau de feu, donc j'ai bien fait de le faire. Pendentif du pauvre. Plus 6 d'attaque, plus 6 de défense, plus 6 de chance. Bah oui, c'est mieux que ce que j'ai. J'avais un pendentif tordu. Ça a l'air d'être des trompes et l'autre ça a l'air d'être des doigts de trucs qui doivent pas vivre dans le coin. Merde. Ah putain. Alors. Voilà. Alors... Your transaction is most appreciated. Your bag, ah putain, faut que je vende le fourreau. I am here to serve. Je veux vendre le fourreau qui doit valoir 1000, ouais. Voilà. C'est vrai que ça sert à rien d'en garder plein de... Quoique je vais peut-être les garder parce que je me dis que ça sert peut-être à faire du matos. D'autant que là je les achète, non? Oui. Je fais de la merde. Je fais de la bourse. Et du coup il a pas les ingrédients qu'il me faut, le petit doigt et la trompe là. Your transaction is most appreciated. Thank you. Putain, il est tombé bien bas lui hein. Voilà. Il y a le trésor du bac, j'ai pas récupéré non plus. Ça je me suis embarré. Alors.
Voilà. Bon bah lui il s'est suicidé tout seul hein. Voilà, ça c'est fait. Petite sauvegarde automatique, c'est bon. Merde. Putain mais... Mais... Ah ouais. Bon en fait faut pas faire subtil, faut bourriner. Hein. Cool. Non fidget. Voilà, au prochain coup on améliorera la santé et après on améliorera la défense enfin. Je vais avoir un pouvoir pour monter sur ces trucs là parce que j'en vois un peu partout. Hop. Je fais n'importe quoi. Remarquez, la moitié du temps ça marche hein. C'est vrai que ça me demandait pourquoi on se fait chier. Je l'ai équipé mon super. J'ai plus de bouffe tiens d'ailleurs. On va se mettre un petit pain à la cannelle, voilà. Du coup j'ai pas regardé si j'ai bien équipé le pendentif du pauvre, si c'est bon. Ah j'ai eu un doigt. En manque un. Et toujours pas de trompe. Et toujours pas de morceaux de peau. Ils ont l'air de plus en plus gros les champignons. Voilà. Oula, tiens, c'est le moment de voir ce que ça donne. Ouais, c'est plus efficace déjà, ouais. Il n'y a pas de petit profit. Ah, il y avait une salle que j'ai loupée. Ah, j'ai loupé une salle vers la droite. On ira voir ça. Peut-être même aller voir tout de suite d'ailleurs. Je suis pas sûr que je revienne en fait. Je viens de voir qu'il y a un passage vers la droite. Comme ça, vous qui aviez vu le passage, aussi bien peut-être même je suis passé à côté, vous pourrez vous foutre de ma gueule. Voilà. Du coup, je sais pas pourquoi je les tue, on va juste passer en vitesse. Hein. Waouh. En vitesse, on a dit. Donc on peut pas... Donc il y avait un passage vers la droite ici.
Ah bah oui, c'est le truc que j'ai dit qu'on pouvait pas passer. Que devait y avoir un couloir pour pouvoir passer ça. On va dire que ça fait de l'expérience. Je vais bientôt gagner un autre niveau d'ailleurs. Ouais, il me gratte et c'est pas le moment. Petite pause de grattage d'oreille. Voilà. Je crois tout le temps à 1234, je fais gaffe. Ah non, c'est... En fait c'est juste eux, les bonhommes avec leurs effets, ils sont juste en bois mou en fait. J'ai un anneau principal de vigilance. Plus 2 l'attaque, plus 4 défense, lâcher objet x3, plus 6 en chance. Oh, putain, il faut 10 comme ça. Bah, elle en a plein au moins. Et bah oui. On va laisser peser. Ce que je pensais, ouais. Il devrait admettre qu'il est équipé sur l'autre doigt quand même. Ça c'est cool d'augmenter le lâcher d'objets, puisque du coup ça va me permettre d'augmenter mes chances de crafter les autres objets. Ça va mal. Raté. Ah, champignon bleu, c'est cool. Attends. Mon objectif est vers la droite, donc on va monter. Un anneau de vision. Plus 4 d'attaque, plus 4 de défense. Ça diminue ma chance. Je sais pas à quoi elle sert exactement la chance, il veut pas me le dire. J'ai gagné un niveau. Je viens de gagner un niveau, d'accord, ok. Bah la santé hein. There he goes. Forget him. Take a look around. There's something horribly wrong with these mushrooms. These aren't mushrooms, Fidget. They are called bubble sprouts, and it would be wise for us to tread lightly around them. They react rather explosively to movement. Pas dangereux du tout, donc, hein. Wonderful. C'est bien ce que je pensais. Et je suppose que celle-là, elle blesse. Ok. Voilà. C'est quoi le jaune déjà? Échoppe. Ah, il y a une échoppe dans le coin. Je pense qu'il serait plus qu'avisé de trouver l'échoppe. Là.
I'm here to serve. Alors, est-ce que j'ai des matériaux qu'il n'a pas? Allez, on va tenter. Je vais lui vendre mon doigt de Trollk en espérant qu'il en trouve deux. Et je lui ai vendu une dent de des dents de chien et un tentacule de Florn. Sinon, tout le reste, il peut l'avoir. Buvez-le avant que les marches. Chocolat chaud. Your transaction is most appreciated. J'imagine le mec qui se bat avec des chocolats chauds dans le sac. Quoi. Thank you. C'est d'une crédibilité hors du commun, les gens. Bien du soin, tiens. Merde. Voilà. Chaldoulbagi, quoi? Chaldoulbagi. Du porc et du riz enroulés dans une feuille de laitue fraîche. Putain, tout le monde y remarque. Alors... Ça va redéconner, j'ai envie d'éternuer. Picking on little ones, huh? You will most definitely regret meeting me. Keep wary of the bubble sprouts, Dust, or this battle will be over before it begins. Quoi? Ah, y'en a un autre, d'accord, ok. You've been poisoned! When you're poisoned, your life slowly drains down to nothing. If you don't take care of it soon, death is inevitable. I can probably just wait it out. Stop pretending you're so tough! Here, take this mushroom. It'll stop the poison for now. You can thank me later. Merde. Putain. Mais... Ah, c'est ça les gros forks en fait. Et je viens de looter deux doigts d'un coup, je crois. And there he goes again. You're welcome, kid. Sérieux. You're welcome. Le mec, il a traduit ça par bienvenue. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quand quand on lui dit thank you pour répondre de rien, en anglais on dit you're welcome. Ça n'a aucun rapport avec bienvenue. Enfin, là c'était de rien petit. J'ai le nez qui coule. Ça m'en fait couler le nez, vous voyez. Un medpat, un pot en terre cuite ou en argile. On va soigner un petit coup et on va se... ah oui j'ai mis le, on va se remettre le beignet à la cannelle et du coup je crois que je peux me un anneau de vision. Je m'en fous, c'est pas celui-là. Si je peux me faire l'anneau du mineur, pas celui-là. Enfin, se faire l'anneau du mineur. Non. J'ai pas looté de plan, sinon ça je peux toujours pas les faire, il me manque deux trucs. Donc... ouais.
Voilà, on va rester comme ça. I didn't think those monsters were smart enough to build a fence. Limite, ils auraient pu mettre la cinématique des courantes dans la pièce, du coup. I'm certain they didn't. Let's hop on over. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de vérifier... Ah oui, ma souris. J'ai oublié de vérifier... si ma cinématique n'encombrait pas... Petit bouton. Si ma webcam n'encombrait pas les textes de dialogue. There he is. Your father's done gonna have himself a heart attack after he hears about this. I'm sorry, Mama. Goodness, what would I do if you've gotten yourself hurt? Je peux me descendre un peu et me décaler. Je vais me descendre et me décaler un peu sur le côté. Ah, Mama, look! Those things must have followed me! How'd they jump my fence? Crafty vermin, those surface dwellers! She does see that I can fly, right? Pardon. Sérieux. I'll be sure to tell her, Fidget. I'm sure that'll clear things right up. Back! Back, you beast! I got this here spoon and I ain't afraid to use it! Sérieusement, quoi. We aren't here for trouble, ma'am. In fact, we just saved your son. Huh? What are they talking about, Bobo? Well, they have been following me for a while. What? How far out did you go? I may just save the spoon for you. I'm sorry. We just came down from the surface to... Do I look like some country bumpkin to you? Of course you're from the surface! I think I'd remember seeing a talking, flying weasel cat thing down here! I think we got off on the wrong foot here. My name is Dust, and this is Fidget. Some creatures attacked a village above these caves, and we're trying to figure out why. Attacked a surface village, you say? Well, if that don't beat all... We underground folk tend to keep to ourselves. Got enough problems of our own already. I'm sorry to hear that. C'est pas forcément une mauvaise idée, en effet. Actually, what I'm saying is, we got enough problems of our own without you surface folk bringing all that nonsense down here. So, if you don't mind... Come on, Dust. We're obviously not wanted here. That's enough, Bobo. You ought to get back to your chores before I take out the spoon again. Il fait des sauts énormes, ce gamin, j'ai l'impression. Mama, I've seen them fight. They even got themselves a talking sword. I bet they could help. Young man, I don't care if their swords got rainbows and bowls of delicious baked beans. I don't want their help. Stop saying that! Pa's gonna die if we don't do something! Die? What's going on? Well, our healing wells have gone and run dry. And my pa's done gotten real sick. That's why I went out. To find some more of that water. C'est tellement triste. Bref. I hate saying it, but it's true. See these mud pots lying around? Normally they're bubbling to the brim with mineral water. But just a few weeks ago, they dried up to nothing. C'est le moment où je dois répondre, bah il suffit de les re-remplir, ma petite dame. But that still don't excuse you from putting yourself in danger like that. I may not be able to help your father, but I sure as heck ain't gonna lose you too. Mama. I wonder if those monster attacks on the surface could be related to your wells drying up. I wouldn't be at all surprised. It's been a couple weeks since the water dried up, but every creature here is feeling the effects. I'll bet those creatures broke through to the surface looking for more water. Mama, maybe these two can go talk to the lady. The lady? Oh, she's a sweet old soul. Lives deep in the caves, makes the waters flow. She doesn't show herself around here too often,
and we can't actually go see her on account of all the nasties living between here and there. In that case, I'll go speak with this lady and see why she stops the flow of water. You do that? This can't all just be a coincidence. The attacks on the surface, your wells drying up... C'est-à-dire que je suis un peu venu pour ça, quand même, à la base. This lady must know something... Well then, I had you folks pegged all wrong. On doit arrêter. If you wait to help my husband, I promise not to clock you with my wooden spoon of justice. A wooden spoon of justice! Si la mère l'avait vu, je ferais pas le malin, remarquez, hein. Thanks. So, you're heading down to talk to the lady now? You'll help my pa? We'll do our best, Bopo. Just don't go running off again. You got my word. Vous avez découvert le petit village de Mutpot au plus profond des grottes de Siroman. Le père de Bopo se meurt et il ne peut être sauvé que par une créature baptisée The Lady. La dame, donc. Explorez le village pour découvrir comment accéder à sa chambre. He's sleeping peacefully. Let's leave him alone. Première fois que je rentre dans un bâtiment depuis le début du jeu, je suis tout ému. Oh, it's a pretty kitty cat. What? Me? It's a flying cat. She's not a cat, little girl. She's a... I don't even know what she is. I'm not a cat, you dolt. I'm a nimbat. Ah, enfin. Is that what you're called? A nimbat? Yes, hello. My name's Fidget. Maybe we've met? Can I hold it? I want it. Just do something! It's trying to grab me with its little child hands. Don't worry, Fidgets. Sorry, what's your name? Smobop. Well, Smobop, I'm sorry, but as much as she might look like one, Fidget is not a toy. J'adorerais avoir un jouet comme ça pourtant. Hey! Oh, I want her! She talks! I'll trade you. Look, I've got this box thing. Hey, Dust, look! That must be Reed's box! Hmm, tell you what, next time I go to the surface, I'll see if I can find a suitable replacement. Then we'll trade. Phew, good idea, Dust. You know, that shop in Aurora had some things. Maybe the shopkeeper could figure something out for us? Yeah, maybe he can make us some kind of fidget doll for her. After all, she's far too young to take care of a pet like you. Alors, dans un jeu vidéo normal... Excusez-moi, c'est le moment où on apprend que la petite en question elle a 300 ans. De... yeah, way too much responsibility for... Hey! On marche aux isos aussi. Le donc un Mudpot Smobop. Un 6 pour un fidget résistant à l'empressement de la vie donnée. En vrai, vous décidez de trouver un subterfuge convenable de préférence sous la forme d'une poupée fidget. Vous pensez alors à vous orienter vers le commerçant d'Aurora. Non, j'ai pas fini beaucoup de quêtes encore. Hail, hi there, big fella. Am I hearing the local gossip right? You and your flying mongoose are gonna save our village? What the heck is a mongoose? Quiet, Fidget. And yes, you've heard correctly. Is this the way to the lady's chamber? Well, yeah, but I don't think you're gonna fit through this here hole in the wall. We had to close up the passage recently to keep those crazed nematodes from coming out and attacking the village. What the heck is a nematode? Anyway, seems to me the only way you're getting through is by sliding. I'd kick you through myself, but you know, I got these fat little legs and they hardly keep me vertical. Je pense qu'il dit je pourrais vous pousser moi-même, pas je vais.
I appreciate the thought, but I'll find another way around. Here, boy. Take this red resonance jam. It'll open up the basement, and maybe you'll find a better way down there. Just make sure to avoid impaling yourself on them spiked rocks and thorns. Wait, your underground cave has a basement? How does that make any sense? C'est vrai que techniquement... Hey, big fella! What do you say to me serving your flying rat a big old jug of shut-up juice? While you're down there, why don't you make yourself useful and collect me my hitting stick? Your what? You see, I use this here stick to do my hitting, but I lost her in the basement, and I'm honestly just too gale darn lazy-like to go looking for it on my own. They don't have me standing around here for my good looks after all. Someone's got to defend this here hole. Je sais pas ce qui court depuis tout à l'heure là, mais ça commence à m'énerver. All right, Bob. If I should come across your hitting stick, I'll be sure to pick it up. Nouvelle quête, on vous a appris qu'un objet enfoui sous Metpod pourrait vous aider dans votre quête. Bah oui. Blop a perdu son bâton dans la zone, se trouve sous Metpod. Retrouve son bâton pour qu'il puisse retourner le taper le plus... pour qu'il puisse retourner taper le plus tôt possible. Et il m'a pas donné le... la clé... Si, voilà, une pierre de résonance rouge. Bah du coup on va aller au sous-sol finalement. Et on est parti. Grotte de Sirman. Ça sauvegardait. Mais quel débile. Parce que je reste concentré. J'essaie de me concentrer, c'est pas gagné. Wait, did you just... Tiens, j'ai dû louper une quête. Mm-hmm. Did you just put that thing in your inventory? Yeah. What? Okay then. J'adore ce jeu. C'est définitif. Bon, on va en prendre un autre en fait. Ah. Merde, je suis trop petit. Oh mais bordel de dieu. Voilà. Mais je fais n'importe quoi. De la merde là. J'ai pas mieux. Non, bah, on va rester sur ce. Sérieux quoi.
Ok. Et ben voilà. Doté de votre nouvelle faculté à glisser, vous pouvez maintenant poursuivre à l'ouest de Midpod pour trouver The Lady. Ok. J'avais vu un truc par là. J'ai vu plein de coffres et je ne peux pas remonter par là. Putain. J'espère qu'il faut pas refaire le tour, enfin revenir. Super. C'est des trucs bien cons là ce qui m'est arrivé. Il m'en faut 4. Oh, c'est quoi les échoppes déjà? C'est jaune. Faudrait que je vienne, que je remonte. Bah allez, on va chercher ces clés là. Après ça donne un bonus de santé. En fait, faut repartir normalement. Voilà. Dommage boost. Donc là, il y a une échoppe normalement. Vous avez retrouvé le bâton de Blob, ramenez-le lui à Mutpot. Donc j'ai retrouvé le bâton et le mouton. Il y a des marques de temps partout. C'est pour ça du coup que le chemin était comme ça. Où les échoppes? Parce que déjà pour mettre une échoppe ici, il faut quand même être relativement cinglé, hein, quand même. I am here to serve. Alors... Ok, il n'a rien de... Je n'ai point. Pas grand chose que je peux vendre cher de toute façon.
Your transaction is most appreciated. Alors, je vais vérifier si j'ai pas quelque chose à construire, mais je ne pense pas. Nom de Zeus. Ah ça. Salut. Alors, je peux faire un truc de vision. Et lui, il me manque du papier. Non. Il me manque surtout les trucs que je sais pas ce que c'est. Et ça, toujours pareil, les machins, je sais pas ce que c'est. Du coup, la chance, ça doit pas améliorer ma... Mais ça améliore quoi, la chance? De toute façon, j'ai mes 4 clés, donc on va aller chercher... J'ai mes 4 clés, moi, que j'ai pas l'air con. C'est ça. Donc on va aller chercher... notre ami... Merde. Oh. Tout ça pour aller chercher le clampin qui est là. Ouais, j'arrive. Et du coup, ouais, je suis obligé de faire le tour. Je peux pas faire ma glissade en sautant. Raté. Je crois que j'ai bien chopé la crève là. Il y a quand même peu de doute sur la question. Bon. Oh non. Putain de merde. Non, c'est bon. Et donc c'est le héros de Spelunky dont j'ai oublié le nom. Je sais pas si s'il y a la liste des mecs sauvés. Il y a mon bonus de sauvetage, mais il n'y a pas la liste des mecs que j'ai sauvés quelque part. Ennemi trouvé 2 sur 12. Et voilà. Par contre, du coup, il y avait un coffre dans l'autre salle. J'ai plus de clé par contre, du coup. D'accord, bah là il faut visiblement il y a un mur sauté. Merde. Oh, fait chier. Ah putain. Il y a un... comment on dit ça, les trucs
Ah là-bas, j'ai trouvé le coffre. Ah bah oui, non, c'est le... C'est ce mur-là. D'accord, ok. Ok, ok, bah du coup je sais où est le truc, et ça fait chier parce que j'ai plus de clé. Ça dit, si je l'avais pris, j'aurais pas pu libérer notre ami. Ah mais merde quoi, c'est trop chiant ça. Ne pas pouvoir ne serait-ce que ramper un minimum, maintenant ça changerait plus rien quoi. Bref, de toute façon on approche la fin du temps. Là on va remonter jusqu'au village. Voilà. Des soins. Ah, hello again, my friend. I suspected you would return. Apprendre comme ça. Voilà. J'ai presque pas tué d'ennemis. Ouais, j'ai pas tué d'ennemis. Your transaction is most appreciated. Alors. Thank you. Voilà. Ouais, donc là, les sauvegardes, c'est ici. Il peut y avoir un trou de sauvegarde par là. Voilà, on va sauvegarder ici. Voilà. Voilà. Et voilà qui conclut, c'est qui conclut. Oh, il est temps d'aller se coucher, qui conclut, disais-je, cette petite aventure sur Dust, cette petite aventure dominicale, même si le temps d'uploader ça va probablement déconner, puisque je devais la tourner ce matin, ou hier, enfin ce matin, très tôt ce matin avant d'aller me coucher, ou au début d'après-midi, et je me suis endormi devant ma capture. J'étais tellement crevé que je me suis endormi devant, c'était nul. Donc il y avait une heure et demie de moi comme ça dans ma chaise, donc je ne vais pas uploader cette vidéo-là, je l'ai même supprimée avant que les gens me le demandent. Et je peux arrêter le chrono. Et donc voilà, donc je vais uploader ça tout de suite. Et je vais essayer de faire que ce soit prêt avant minuit. Avant lundi. Et on se retrouve demain. Qui risque d'être probablement le même jour pour la majorité des gens qui regardent la vidéo. Pour une... c'est quoi? C'est Audio Surf qu'on fait tout à l'heure. Voilà, voilà. A tout à l'heure pour du Audio Surf. Bonne journée. J'ai mal cliqué.